François Hollande recevait cette semaine le président égyptien Sissi, issu d'un coup d'État qui avait renversé l'an dernier Mohamed Morsi, président élu au suffrage universel et membre d'un parti, les Frères musulmans, qui fait depuis l'objet d'une répression sanglante, des centaines de personnes exécutées à l'issue de jugements arbitraires et près de 13 000 partisans de ce parti emprisonnés et soumis à d'abominables tortures dans les geôles égyptiennes. Le président Sissi fait l'objet de plaintes déposées par des organisations internationales telles qu'Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour autant, le président français n'a, semble-t-il, pas été gêné de dérouler le tapis rouge devant ce monsieur.